Le numéro 28, c'est un fils de Slick Lee Royal qui avait déjà gagné il y a quelques années une section, une fille de Slick Lee Royal qui avait déjà gagné avec une pouliche d'ailleurs une section de foal. Slick Lee Royal et Pibal. Pibal, donc c'est l'élevage bien sûr de Gilles Chénion, représenté ici par son fils Victor, Jean-Victor Chénion pour être tout à fait précis. Elle-même Pibal par Cyborg, Extrabal et Jupe de Laine. On retrouve donc la grande souche Chénion. Celle de Jupe de Laine, qui était la première, toute première jument qu'il a entraînée à l'époque où il était jeune entraîneur, surnommé La Vapeur. Jupe de Laine, 6 victoires, qui lui a beaucoup apporté, et puis qui lui a donné Solène, Doud, Jeddah, Extra Jack, Ultra Net, Ciel de Brion, 4 quarts, Roi de France, enfin plein de bons chevaux. Life Size également, dit Louis XVI, champion du cross. Augustine, Mylène, on marche. Oxo, j'oubliais Oxo, le champion du cross. La mère Pibal a gagné 3 courses, hein. 2 fois Landivision, une fois à Granville. Et la grand-mère Extrabal a été deuxième du prix Saint-Sauveur à Auteuil et du prix Vulon 2 à Auteuil, de Listode. The daughter of Slick Lee Royal here, out of Pibal by Cyborg, from the best family of Gilles Chénion Breeding, where you can find on your page under the third mare, Otro. Under the third mare, you got Solène, champion on the cross-country, winner of the Grand Cross de Pau, Solène, and Dame of Oxo, champion cross-country horse, Ultra Ball, Life Size, Jeddah that you know very well overseas, Extra Jack, Ciel de Brion, you know very well Ciel de Brion too, Golden Jack, Vol de Brion, 4 quarts, a lot of classic horses on France, in France and in Ireland and England. On this page, for number 28. Merci. Ah, encore un tour. Ils sont gourmands, les juges.